On ne peut pas pour autant continuer dans ces conditions. Nous vous demandons, monsieur le maire, de revenir à une écoute partagée, à un échange productif pour le bien de tous. On ne peut pas continuer de donner une image négative à la population sémeroise. Elle attend autre chose d'un service public.